Nous commençons avec basketball. Côté, il y a un bon match qui nous a dit, si tout là, il y a un match qui peut décider de la ligue, qui peut jouer le palais des sports, premier coup bras contre Beauvalon-Rite. Mais entre-temps, nous n'avons pas score pour le moment, nous retournons la talée, nous continuons avec les autres résultats, match qui nous a plus bonnet au cours de la journée. Le palais des sports, c'est un Baya qui fait victoire contre Portland Warriors par 87 le 41. Et de l'autre match de ligue pour Bonne Madame, et de Montfleury qui termine saison ligue le bon note après autre victoire 60-58 contre Hotshots. Nous continuons avec football, côté Glacis, qui est dernière l'équipe deuxième division, qui est restée de compétition knockout de la Coupe Fédération, et n'a pas éliminé hier de match semi-finale Stade Unité. Malgré résistance pour majorité les temps de sa match, Zotti perdit 4-0 contre Saint-Louis, qui score 3 parmi les autres bonnes goals de deuxième moitié. Glacis et Saint-Louis qui peuvent venir en place de finale compétition knockout la Coupe Fédération. Et Saint-Louis qui fait plusieurs changements de son équipe, prenant compte d'un match important qu'ils ont en pour jouer bientôt. Avec Gervais Wahive, Travis Lawrence et Elijah Tambou, qui sont parmi les bonnes joueurs clés qui participent jouer. Mais Saint-Louis qui démarre une bonne note dans 1 minute 15 secondes. Le temps free kick Tahiri y tombe bien pour Karl Hall qui a arrangé pour attaquant nigérian Kazim Yuvesko sa match. Depuis la bonne supporter, Saint-Louis explosé avec la contactement. Présence Saint-Louis de carré adversaire, Tifo de sa première 45 minutes de jeu. Ici, 7e minute, centre Mervin Machot qui gagne shot par là-haut par Tahiri. Sinon, tient Zolissens gâté par sa joueur Malgas. Les autres tiens capables de payer les temps qui glacent, tu peux veiller contre-attaque dans 15e minute. Carlos Onésime, tu vois son essai, passe 10 par là-haut. Tiens très bon sens pour sa équipe normale, capable de tourner égal. C'est lui qui peut dominer possession et voir se passer de temps en temps contre Glacis. L'équipe Kazim voit Tahiri. Son essai, il est sauvé par le goalkeeper Kitson Cécile Simon, qui a beaucoup d'expérience pour le football à niveau. Score premier la moitié, tu termines 1-0 dans faveur Saint-Louis. Dans la deuxième moitié, Saint-Louis, tu contiens menacé et Glacis, tu défends n'importe comment Paris ici après laisser Kazim, ça a passé devant goal et tout en vain. Ça, l'équipe, tu peux doubler les autres l'avantage tout de même dans 64e minute de jeu. Le cross Tahiri, Karl Hall, il fait compter, score, tu n'arrives que 2-0. Mais une bonne meilleure sens à l'équipe Glacis pour réduire le score. 10 secondes après, le grand bolé Colin Tirant, attaquant Henry Clavos, il shot à côté d'une très bonne position. Saint-Louis qui contient exploite la défense adversaire et Danny Madeleine donne une passe décisive, Machot de 70e minute pour lui faire score 23-0, même si le goalkeeper Cécile Tinsey repousse à un. Glacis, qui à présent voit lui à la recherche un goal consolation contre sa équipe en blanc dans 81e minute, laissez la tête Steve Henriette, qui gagne sauvé par goalkeeper remplaçant Jalil Servina. Après ça, le contre-attaque dans 1 minute plus tard, Mervin Machot qui trouve Kazim, qui sont laissés, qui gagne sauvé par goalkeeper Cécile. De 44e minute, le corner Tahiri laissé Kazim qui force un parade superbe sorti côté sa ancien goalkeeper de l'équipe nationale Cécile, qui sûrement si peut éviter des défaites embarrassantes pour sa équipe deuxième division. Glacis qui répond après ça, le cross tirant, laissé la tête Marcus Emmanuel qui a été sauvé grâce à bon parade de goalkeeper Servina. Saint-Louis qui termine avec une victoire convaincante, le temps que Kazim y a l'aide remplaçant Michael Tirant, qui lui fait score 24-0, qui n'a pas offside malgré Glacis qui peut protester pour offside. Sa victoire met Saint-Louis en finale de la Coupe Fédération et sa deuxième finale sa saison après qu'ils ont été qualifiés pour la Coupe RTL. Premièrement, je félicite l'équipe, même si la performance n'est pas trop à la hauteur, mais l'objectif c'est qualifier final. C'est tout deuxième match, c'est vraiment bien. Et dans 15 minutes, deuxième match, c'est le deuxième goal, c'est vraiment bien. Et nous sommes encore au match en entier. Et nous avons joué contre Glacis et opposant qui peut la guerre pour le deuxième division qui fait qu'il y a un opposant aussi. En opposant dans la ligue, peut-être que vous avez un match même en aller sur le premier match à un certain moment. Peut-être que tu peux que Glacis qui a gagné sa légalisation. Oui, pour la première half, nous avons gagné un goal, première minute, 14 secondes. Mais après, l'intensité est descendue. Mais c'est moi, Glacis, qui a gagné. Beaucoup sont en jeu, en jeu, première division, et ils ont
sa habilité, sa expérience, mais c'est moi nous avons besoin de qualifier. Paris trouver nos premiers, comment nous entrer, mon quartier n'est plus la fouille, bonjour, qu'il faut une calculer Saint-Louis. Comment annoncer Saint-Louis un gros team, ben un tas de points dans le game. Et sous ça goal lui-même, il y a un goal qui c'est facile et un petit peu concentration. Bien après, nous tenons sa première half normal après. Le deuxième half, nous avons réarrangé, nous avons posé comme un tiré la fouille, nous n'avons pas rien pour perdre. C'est, nous connaissons pour dire nous, c'est nous. Nous gagnons sa chance pour nous arriver là, pour nous être dans la semi-finale. Il n'est pas trop facile pour arriver dans la semi-finale. So, nous mettons une bonne idée ensemble, l'esprit. C'est ça qui nous l'a gagné, même comme si vous avez dit. Deuxième half, qui nous entraîne un peu dans le game, après un petit peu de concentration perdue. Après un petit peu de goal, comme si il y a un petit peu de marking. Ce moment tout, il y a assez normal à game. Et donc, il y a des gens qui avant goût. Première division, en cas où il y a une promotion, c'est pour ça parce que vous êtes la guerre dans la ligue, deuxième division. Et justement, là, vous êtes concentration pour être dans la ligue, là, non? Oui, définitivement. Ça, la game qui nous joue là, ça. Ça knockout. Il passe si temps. Il est important, oui. Ce moment, ce qui est plus important, c'est la ligue. Nous avons trois matchs qui restent nous, trois matchs qui nous peuvent se tirer. Si nous gagnons tous nos trois matchs, c'est ça qui permet nous de la première division. Et ça, pareil, là, nous gagnons un petit peu à goût avec ça, la première division. Je crois que nous avons dire un petit peu plus de pratique, un petit peu plus de concentration, je crois, capable de faire quelque chose. Dans l'autre semi-finale hier, la Digue en réunion qui fait victoire 4-1 de pénalty contre De La Hanse et pour rencontrer Saint-Louis de finale la Coupe Fédération qui peut jouer le 2 décembre. Un titre qui peut aussi garantir un entier l'équipe en place de compétition la Coupe Confédération l'Afrique. Toujours avec football, côté des mains de compétition knockout 3e division, il y en a l'équipe Plaisance qui vous écoute à Zidissé à partir de 6h du soir, le stade populaire. Nous continuons avec volleyball, côté resté possibilité qui est un petit mazé de sa sport et capable de prendre sa saison. Ça y a après que l'équipe prend les girls et qualifié finale tournoi pour la Coupe Fédération. Dans le final, week-end prochain, par les girls pour rencontrer Cascade qui ensemble avec Asso domine sa tournoi sa bonne dernière année. Pour qualifier finale par les girls, qui élimine l'autre équipe première division, Montfleury, dans la dernière semi-finale hier. Montfleury élimine en Super Sisters et après Friends, l'OCM pour qualifier semi-finale, tandis que par les girls, l'Etine remporte tous les autres matchs par Walkover et sa semi-finale, la première fois, Zot tient en action de sa tournoi. Prend les girls ti favori, mais après autres deux victoires qui ti aussi autres celle sa saison, Montfleury ti croit de son sens. Premier set ti match égal entre les deux équipes, score 3 partout pour commencer, mais prend les girls avec Angélique Adeline et Hilary Norris qui ti représente Cécile dans le tournoi qualification jeu Commonwealth Beach Volleyball, ti après aller pour prendre l'avance 10-4. Montfleury pas très mal joué, mais trop beaucoup fois, tu as une faute pareille, manque de communication, service et après l'attaque gâtée qui t'y coûte autres séries. Mais les autres t'y réussi à résister contre Sophia Diomaye et Vicky Dean, t'y capable de faire ma saison de l'attaque. Montfleury t'y capable de mettre un peu de pression sur son opponent, mais dommage, mon attaque sa l'équipe pas consistant. Ou soit les autres t'y réussi à faire un point, t'y suivent par un autre point cadeau pour son opponent. 12-8, 16-10 et après 19-14, c'était toujours pour les girls qui t'y restaient en tête tout du long. Ça l'équipe pralinois, qui après prend l'avance 22-17. Mais Montfleury est capable de coster 19-22 le service Camilla Franco. Mais pas si tardé pour prendre les girls, répondre, jolie l'attaque milieu, Venise Louise, il donne ça l'équipe pralinois, autre 24e point. Et après, c'était le service Hilary Norris qui prend les girls et prend sa première set, 25-19. Deuxième set, sa l'équipe pralinois, vice-champion ligue, sa saison, qui paraît en vie, fait finir vitement. La banzoua, l'entraîneur Ralph Rosette, et vitement prend l'avance, 7-3. Mais après ça, je sa l'équipe, qui gâté par bonne faute, qui te permet Montfleury retourne dans le match. Et la banzoua, l'entraîneur Adolphe Naletambi, tu fais bien pour retourner et mettre match égal 7 partout et après 10 partout. Mais encore, qualité de jeu, Montfleury, pas consistant.
Beaucoup fois, même si pour les Girls tiennent plus option de l'attaque, Monfleury est capable de tenir, mais c'était encore une faute qui t'y gâte les autres joueurs. Après que ça l'équipe pralinois et reprend l'avance 11-10, tu n'as pas vu derrière encore. Adeline, Nourice, Rose et les autres tiennent assez pour passer devant sa l'équipe Maé. Pour les prêts qui m'ont fleuri, tu restais avec les autres opponents. La fin de sa deuxième set, tu l'as score, il est 15-19. Pour les Girls, tu allais pour ouvrir l'écart 22-16 et après 24-17. Tu l'as un jeu simple, Venise Ruiz, qui fait pour les Girls pour sa deuxième set, 25-17 pour l'avantage 17-0. Troisième set, Tissel sans Monfleury pour rester de sa rencontre. Mais pareil, deuxième set, Zotlis Pralingers commence plus fort. L'activitement, elle avance 7D pour son équipe pralinois qui peut target son premier final mazé. Tout de même, Monfleury a encore bénéficié les deux autres opponents et Tom Epe. Tu as encore Jomai qui peut faire la différence de l'attaque pour son équipe Maé qui est capable de coster jusqu'à 6-8. Les autres pour après mettre match égal 10 partout. Mais dès que l'équipe les Girls est capable d'arranger, les autres qui dominent la restance à 3e set, score 22-12, il dit pour lui-même. Même si Monfleury est costé jusqu'à 15-24, c'est l'attaque Brigitte Rose qui met à la fin avec sa match. 25-15 pour les Girls, il prend sa dernière set, victoire 3-0 qui met les autres dans la finale de sa tournoi pour la Coupe Fédération. Mon frère, moi, Aline, je trouve un bon pays. Définitivement, d'un point semi-final, je n'ai pas respecté. Mon frère, tu trouves une facile. Et nous, par contre, nous ne pouvons pas prendre compte. Peut-être qu'il y a un joueur qui ne peut pas prendre compte pour dire, mon frère, tu as envie, peut-être arriver dans la finale aussi. Mais seulement, c'est 3-0, il dit pour lui-même, nous avons la force, nous avons des bouts bien. Il y a des temps qui nous tournent, moi, je dis, depuis le banc, le court. Il y a des temps qui nous, peut-être, nous n'avons pas trop laissé faire. Pour une coup de bonne point bête. Et normalement, c'est semi-finale, ou bien dans une encadre, pas à faire, pour donner un point. Ou bien c'est la guerre en point. Et après, une coup de nous, mon cas, nous faisons un bon match en général, mais c'est moi, résultat, vraiment, à nous la place. Nous tous dans la zone, l'équipe, le management, Zoé, mon cas, tout le monde, et même Ban Palinois aussi, nous avons envie qui nous amène à la coupe. Hein. Nous, si Zoé est conscient, mon cas, Zoé devait être conscient, comment est-ce que je suis conscient. Nous disons pour mener, alors nous pouvons la guerre tout pour tout pour nous être capables de faire. Nazi à présent, aujourd'hui nous continuons avec un reportage du championnat national groupe LAS qui nous fait ce week-end. Aujourd'hui nous continuons avec un vainqueur, un événement au cours de la journée et ça est un vainqueur de catégorie 12 à 13 ans ou soit un Nazi plus senior. La course ici est 800 mètres nage libre remportée par Thérèse Soucoupe de Club Toto. Les catégories de 14 à 15 ans sont les temps 10 minutes 2.7 secondes. Aïcha Khan, Club Aquafins, prend deuxième place en général, mais tu finis premier de son catégorie 12 à 13 ans. L'État Khan, 11 minutes 33.68 secondes. C'est Kema Elisabeth qui finit deuxième pour médaille d'argent de sa catégorie et Rafaela Ferri qui prend médaille bronze. Même l'événement pour les garçons, c'est Damien Payette qui finit premier en général, lui dans la catégorie 14 à 15 ans. Son temps 9 minutes 28.69 secondes. C'est son grand frère Bertrand qui finit deuxième de sa même catégorie. Après la catégorie 12 à 13 ans, vainqueur Farhan Meslen, l'école indépendante, son temps 10 minutes 35.62 secondes. L'autre la course, 50 mètres, Naz Palido, qui encore un dominé par Thérèse Soucoupe de catégorie 14 à 15 ans. Son temps là, 34.31 secondes. Emi André, qui prend médaille d'argent et Irene Marie, médaille bronze. De catégorie 12 à 13 ans, médaille d'or, encore une fois, al pour Aïcha Khan, Club Aquafins, son temps 39.31 secondes. Même l'événement pour un garçon, une jolie bataille là entre Tyler Fred et Dean Hoffman. C'est Tyler Fred de l'équipe Aquafins qui s'est remporté de 30.38 secondes devant Hoffman et Lorenzo Gassalibani. Pour autres catégories, 14 ans et plus, mais Tyler Fred et Pleasant qui sont des opponents.
pour catégorie 12 à 13 ans, Beckett, encore une fois, Farhan Meslen, Nathan Nagapen, qui prend médaille d'argent, et Connor Howard, médaille bronze. Dernier événement pour premier la journée, qui 50 mètres nas grâce, c'était Amy André, de clip Aquafilms, qui a remporté pour catégorie 14 ans et plus. Il finit de 42 secondes. Kaline Labrosse, qui remporte médaille d'argent sa catégorie, tandis qu'Irene Marie, médaille bronze. Pour catégorie 12 à 13 ans, Beckett, Kema Elizabeth, l'équipe Aquafins, qui termine de 43,88 secondes. Raphaël Afele, l'équipe deuxième, et Yusra Vandine, troisième. Et même l'événement 50 mètres nage brasse pour bon garçon tient l'autre la course excitant. Bataille là entre Adam Moncheri et Dean Hoffman. Victoire tient pour Moncheri de 33,75 secondes. Hoffman qui finit deuxième et Daniel Ferlé troisième. Autre catégorie qui 14 ans et plus. Et après la catégorie 12 à 13 ans, Becker là qui Alain Vidot dans 35,62 secondes. Joshua Millet, deuxième, et Nathan Nagapin, troisième. Et juste avant mon terminé, je retourne au basketball. Côté c'est Premium Cobras qui est champion ligue, première division pour sa saison. Après autres matchs aujourd'hui, côté autres besoin contre Beauvallon Heat. Bien si Beauvallon Heat pour les reports de la ligue, tu peux besoin battre. Premium Cobras par les cas 20 points, mais ça n'est pas possible. Même ça, Beauvallon il fait si qui Premium Cobras pas termine saison sans aucune défaite. C'est Beauvallon qui remporte sa match aujourd'hui par 76 le 73 contre Premium Cobras. Mais par exemple, ils ont pas capable de score 20 points les cas basket. Alors c'est Premium Cobras qui remporte son titre ligue et le sans note. Mon pour aussi termine un nouveau poste pour aujourd'hui. Merci pour qu'ils suivent.